Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec un excellent consultant, en plus il est drôle, Laurent Paganelli. Bonsoir Christian, je suis un peu en retard, c'est les stadiers qui m'ont pas laissé passer, aujourd'hui c'est un match de ouf. Aujourd'hui les portes sont fermées de partout, les joueurs sont concentrés comme des malades, on va assister au match de l'année. Évidemment les joueurs ont pris l'avantage à l'aller, mais ça m'étonnerait qu'ils se contentent de défendre. Ils sont partis pour gagner aujourd'hui aussi. Ils font des bons résultats en Ligue des Champions après ce match aller. Ils font confirmer au retour. L'ambiance est superbe. Le stade est vraiment multicolore. On devrait bien s'éclater. Il doit trouver une solution. Tranquille pour le gardien. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Pour Forlan. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. C'est bien de partir en contre. Dans la surface de réparation. Un tout petit peu trop haut. Voilà, maintenant on peut dire que le match est lancé. Quand un route d'observation dure 2 secondes et que tu fais monter la mayonnaise d'entrée, on a tout de suite compris. Ils reprennent le ballon. Antonio Lopez. Simão. Il a vraiment une super couverture de balle. Bon retournement de situation, il a le ballon. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Lui au moins le temps. Il faut être plus précis dans l'acte final. C'est dommage, il avait le temps de faire le bon geste. Et c'est peut-être ça qu'il a fait déjouer. Il avait plusieurs solutions et je crois qu'il a choisi la mauvaise. Partir en contre, c'est toujours payant. Antonio Lopez. Raúl García. Pour Forlan. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Bon ballon. Le gardien a fait le ménage. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Il peut peut-être marquer. Il écarte le ballon des points. Le portier détourne le corner.
en plein milieu de la surface de réparation. Arrêt du gardien. Bernia. Luis Garcia. Encore une belle occasion. Raúl Garcia. Cette fois, il visait vraiment les oiseaux. Et si la défense ne fait pas un pressing plus haut sur les attaquants, je peux vous dire qu'il va y avoir des tirs qui vont partir de tous les coins du stade. Agüero. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Mota. Simao. C'est un ballon gagné. Raúl Garcia. Le duel est remporté, c'est bien. Bien joué ici. Mota. Oh, un défenseur à l'attaque. Encore une occasion de centrer. Écarté de la tête par le défenseur. Le gardien est en danger. Aïe, c'est dedans. On voulait un but, mais pas de ce côté. Et imaginez la tête de l'entraîneur sur le bord de la touche. Franchement, c'est dur. Il a eu raison de mettre le pied droit dans la finition. C'est le geste parfait, c'est ce qu'il va le faire. Il a eu raison de ne pas hésiter. Il mène grâce à ce but. Même s'ils ont concédé ce but, je pense que ça ne va pas trop les inquiéter quand même. Je pense qu'on a senti que pendant 45 minutes, ils ont complètement dépassé l'adversaire. Et à mon avis, ils n'ont pas trop de soucis à se faire pour la suite de la rencontre. Mota. Pour Raúl Garcia. Pour Agüero. Mota. Pour Pernia. Aïe aïe aïe, la défense prend l'eau, les défenseurs ne savent plus quoi. Quel plongeon, c'est du grand art. Pour Luis Garcia. Très bonne anticipation de la défense. 15 minutes de jeu à l'horloge. Forlan. Bien joué de la part du défenseur. Mota. Auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Luis Garcia. Ils peuvent construire quelque chose. Centre repoussé de la tête. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du beau mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Bonne action, le ballon est récupéré. Pressing super efficace. Il reprend le ballon maintenant. Dans la surface de réparation. C'est encore au fond des filets. Quel score fleuve, mes amis. Ah, même les supporters adverses sont obligés d'applaudir. Le talent de ce joueur, ça mérite le respect. Deuxième titularisation et il marque de nouveau. Belle preuve de régularité.
un partout, le match est relancé. Ah, ça, c'est un vrai festival de buts. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense. Le ballon est détourné. Corner. Qui va le prendre dans la surface ? Luis García. L'attaque ne donnera rien. Luis García. Raúl García. C'est pas un tir mauvais, mais c'est pas vraiment cadré. Il avait fait le plus dur et s'était créé l'espace. C'est vrai qu'il était un petit peu loin du but, mais ça aurait pu surprendre le gardien. Ah, je pense qu'il aurait aimé marquer de là. Quelle frappe! Beaucoup trop loin du montant gauche. Ah, il n'a pas de chance. Et s'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche. Va-t-il y avoir but ? Il n'y a plus que gardien à passer. Dégagé par le défenseur. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Bien vu. Il ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule bien. C'est très loin du poteau droit. Ah ouais, là il y a le gardien qui est en train de remettre un petit peu en place ses défenseurs. Il laisse trop jouer, donc il y a des frappes qui arrivent trop souvent en ce moment. Très bon de la tête. Simao. Motta. Simao. Forlan. Et c'est dedans. C'est dedans. Oh, c'est un bon joueur. Il sait toujours où se situe le cadre. Il a encore renard de surface pour marquer un but pareil. Il a senti le coup avant les défenseurs et il a marqué le but comme il fallait. Et c'est ficelle. Et avec ce but, ça lui en fait 6. 6 buts, 6 buts au cours du tournoi, c'est grandiose. Seulement un but sépare les deux équipes. Forlan. Bon travail et bonne possession du ballon. Nouvelle occasion de centrer. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Motta. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. Le contre, c'est l'arme fatale.
ils peuvent construire quelque chose. Il est hors-jeu, il ne faut pas oublier de revenir. Ce contre peut être redoutable. Est-ce qu'il peut frapper? Il tente. Au-dessus de la barre transversale, sans danger. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Presque 30 minutes écoulées. Mota. Simao. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable. Il va tenter sa chance. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles. Comment il a fait pour atteindre tel but? Il avait fait la différence, il se trouve en face à face avec le gardien, il manque la finition. Oh, il a mis les chaussures à l'envers ou quoi? Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Pour Luis Garcia. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Belle combinaison. Interception de la défense. Attention, c'est parti très vite. Il peut marquer. Le portier le laisse échapper. Bel arrêt du gardien sur ce tir à ras de terre. Il passe le ballon au gardien. Agüero. Mota. Simao. Bien joué, ça peut faire un contre. Oh, ce ballon va remonter très vite. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Nouvelle occasion de centrer. Une occasion de gâcher, c'est plutôt maladroit. Il a essayé de frapper, on l'a senti instantanément. Il a voulu battre le gardien, mais il a quand même pas trop cadré son tir. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Pour Raúl García. Pour Simao. Bon retournement de situation, il a le ballon. Partir en contre, c'est toujours payant. Le joueur frappe. C'est bien appuyé, mais pas assez cadré. C'est vraiment dommage, il est tout seul. Il a le temps de faire cette frappe-là. Il a même le temps de lire le journal avant de marquer. L'entraîneur le sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Désormais, il faut contrer. C'est chaud bouillant. Super claquette du gardien. Dégagé par le défenseur. Oh là 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 là, quelle démonstration. C'est ton corps au fond du filet, c'est bien. Là, il nous a fait une frappe d'un autre monde qui aurait pu trouver le filet. Heureusement qu'il a cadré.
sinon il aurait pu nous blesser aux spectateurs. Aujourd'hui c'est son jour, pas de doute, un doublé magnifique et le match est pas fini. Le match est totalement relancé, impossible de savoir qui va gagner. Ah ça c'est un vrai festival de buts. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense adverse. Ah, ils sont capables de marquer maintenant à chaque... C'est bien frappé, mais ce n'est pas cadré. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison. Hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match. Oh, ce contre, il peut mener loin. Elle est énorme cette occasion. La touche finale laisse vraiment à désirer. C'est dommage, il semblait avoir fait le plus difficile, mais je crois que c'est le gardien qui l'a forcé à déjouer sur ce coup-là. De son but et capte le ballon. Encore une belle occasion. Antonio Lopez. Encore une occasion de centrer. Le portier récupère le ballon. Encore 5 grosses minutes avant la mi-temps. C'est bien de la part du défenseur. La passe est mauvaise, il faut s'appliquer. C'est bien vu, bien anticipé. Simão. Antonio Lopez. Agüero. Forlan. Il n'y a plus que le gardien à passer. Il veut marquer. Bien joué. Une nouvelle fois bien joué. Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. Et dès qu'il a le ballon, il est impressionnant. Il part en travers, en long, en large, sur les côtés. À la fin, il marque le but. Oh, c'est la vraie démonstration. C'est son hat-trick. 3 buts au cours du même match. Bravo. À mon avis, il peut garder le ballon. Ils ont un but de retard, mais c'est pas terminé. Ah ça, c'est un vrai festival de buts. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense adverse. Ils sont capables de marquer maintenant à chaque attaque. Il est temps que l'arbitre arrête la rencontre. Ils peuvent construire quelque chose. Bonne action, le ballon est récupéré. Et Luis Garcia. Pour Simão. Ce sera une remise en jeu. Quelle bourde de la défense, c'est une occasion en or. Il faut bien reconnaître qu'il s'accroche encore. Le ballon circule bien, mais il faut concrétiser ses mouvements. Allez, c'est l'heure de la pause. On se retrouve dans quelques secondes. Ce match est vraiment la copie conforme du premier. L'équipe contrôle bien le match et l'entraîneur commence à bailler sur le banc. Thank you.
Deuxième période sera-t-elle plus intéressante que la première? Nouvelle occasion de centrer. C'est super dangereux, il peut marquer. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. En plein milieu de la surface de réparation. Bien défendu. Il envoie le ballon loin devant. Directement dans les gants du portier. Il ne lâche rien et monte vers les buts. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Je pense que c'était précipité. Il avait le temps de tout faire. Là, c'est vrai que d'un haut, nous, on a le temps de voir les choses. Oh, ce ballon va remonter très vite. Il peut surprendre et marquer. Le gardien a dévié la balle, corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Trajectoire coupée par le défenseur. Allez, il y est presque. Ils obtiennent une touche dans le camp opposé. Encore une belle occasion. Aïe, 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 c'est un véritable déluge de but. Hein. Bien joué, voilà, ça c'était la surface qu'il fallait. Avec le pied gauche en plus, ça fait de puissance dans l'enchaînement et ça va plus vite. Superbe but. Il est vraiment en grande forme en ce moment, c'est sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs du tournoi qu'on ait vu. ...4-2, l'avance est encore significative. Quelle équipe, quelle prestation, quelle attaque, ils ont tout donné, ils ont carrément fait exploser la défense adverse. On se demande qui c'est qui pourrait les arrêter. Les deux, c'est redoutable. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Une très longue passe pour Luis García. Il va pouvoir marquer. Luis García. Le gardien a bien vu que ça passait loin. Là, il s'est baladé pour trouver l'espace. Hein. Il a trop précipité son shoot. Encore une occasion de centrer. Il tente à nouveau sa chance. Le goal a la situation en main. C'est chaud pour le gardien. Trajectoire coupée par le défenseur. Ce contre peut amener très loin. Il déclenche une frappe. Le ballon est détourné. Corner.
Ils vont jouer à la rémoise. Bon blocage par le défenseur. Oui, encore un. Encore un. Ils sont dans une très bonne période en ce moment. Que c'est bien joué. C'est vraiment un joueur important. Il marque son troisième but au cours de cette compétition. L'équipe peut le remercier. Leur sera-t-il possible de remonter cela ? Là, je crois qu'on peut dire que les carottes sont presque cuites. Ça leur donne une avance quand même assez insurmontable. On sent vraiment que cette équipe a de la dynamite et que ça va être insurmontable pour l'équipe adverse. L'adversaire est un petit peu perdu, la possession de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Va-t-il frapper ? C'est au-dessus, il n'a pas pu contrôler sa frappe. Ça peut paraître facile, mais dans un duel, c'est souvent le gardien qui fait la différence. Cinéma Pongol. C'est malin. C'est peut-être le tournant du match. Bien vu de la part du défenseur. Il a dégagé. Peut-être marqué. C'est une belle occasion, sans réussite. Ah, c'était bien fait. Il a tout enchaîné comme il fallait. Il a frappé, il a simplement manqué le cadre. Oh, ce ballon va remonter très vite. Il décoche un tir. Cela manque de précision. Et malgré son défala, il a quand même raté le cadre de peu. Cinéma Pongol. On joue à l'Ouzi. Bien joué. Que va-t-il faire ? C'est un bon travail défensif. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Il faut accorder, mais oui, c'est trop physique. Bon retournement de situation, il a le ballon. Raúl García. Simão. On joue depuis une heure. Il tente sa chance. Directement dans les tribunes, une occasion de perdu. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il décoche une frappe. C'est encore au fond des filets. Quel score fleuve, mes amis. Et à part la fin du match, rien qui peut l'arrêter. Un hat-trick, c'était déjà merveilleux. Mais alors, 4 buts, c'est vraiment le Pérou.
Antonio Lopez. Une telle cohésion est assez impressionnante, ce sont les milieux de terrain qui dictent la cadence. Tire de si loin. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. Le ballon est dans les airs. C'est beaucoup trop imprécis. Encore une belle occasion. Du pied, dégagement sûr. Une très grande ouverture. Il tente à nouveau sa chance. Agüero. Sinama Pongol. Le duel est remporté, c'est bien. Une longue passe. Ah, quel dommage. L'arbitre a levé son drapeau. Attention à ce jeu trop physique, coup franc. Agüero. Forlan. Agüero. Forlan. Est-ce qu'il peut frapper? Agüero. Oui, il a marqué. Et regardez la joie sur son visage. Qu'est-ce que c'est sympa. Et il a été tellement vite de son pied droit que le gardien n'a rien vu passer. Et que moi, j'ai même pas eu le temps de le commenter. Ce doublé est mérité. Ce joueur est vraiment au top de sa forme. La finition est superbe. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Ils peuvent construire quelque chose. Il n'a peur de rien. Ballon touché par le défenseur. Ballon aérien. Quelle tête! C'est extrêmement décevant. Luis Garcia. Antonio Lopez. Encore une occasion de centrer. Allez, il y est presque. Raúl Garcia. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à se... C'est malin. Nouvelle occasion de centrer.
Oh, ce contre, il me semble bien mené. La menace est écartée. Raúl García. Forlán. Luis García. C'est une énorme occasion. Le ballon a été dévié par le défenseur. Deuxième remplacement pour cette équipe. C'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Ce remplacement me paraît normal. Bernia, une occasion gâchée, c'est plutôt maladroit. Simão. Oui, il fait trembler les filets. Quel joueur en forme aujourd'hui. C'est un vrai régal pour les supporters. Ainsi maintenant, les milieux de terrain se mettent à marquer des buts. On va bientôt les appeler les attaquants. Presque 75 minutes écoulées. Encore une belle occasion. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Le tir a été dévié. Ce ballon est bien haut. Superbe défense ici. Forlán. Agüero. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Encore une occasion de centrer. Il prend sa chance. C'est dégagé. Joli duel, le ballon est gagné. Cinema Pongol. Ils peuvent construire quelque chose. Le ballon a franchi la ligne. Raúl García. Forlán. Bernia. Forlán. Agüero. Oh, il y a un bon coup à jouer. Il a osé. C'est pas si mal, mais ça passe à côté. Et ce joueur-là, si tu le laisses 2 cm, il dégaine plus vite que son ombre. Il tire dans tous les coins. Va-t-il frapper? Il vise la cible. Oh oui, en plein dans le mille une nouvelle fois. Oh, mettez-vous 2 secondes à la place du gardien. À mon avis, il en a ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette action? Oh, il a frappé, il a accéléré, il a marqué un but splendide. Et si celui-là, il ne rentre pas dans le top but de la PES League, je le fais curer. Quel virtuose! 5 buts. Le spectacle est exceptionnel. Tout ce qu'il touche se transforme en but.
Cette équipe a vraiment perdu le nord. Ils sont désemparés. Ils auront bien du mal à refaire leur retard. Sinema Kongol. Il doit faire mieux. Et Forlan. C'est maintenant une remise en jeu. Il va sûrement marquer. Et c'est dedans. Oh, bien joué. Et quelle belle image de joueur. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. Trois buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. Raúl García. Il doit trouver une solution. Dégagement des points. Corner. La surface de réparation. C'est encore au fond des filets. Quel score fleuve, mes amis. Christian, c'est une belle rencontre à laquelle nous assistons. Le but de la tête nous a montré quand même que le foot, ça ne se jouait pas qu'avec les pieds. Et qu'avoir la grosse tête, ça pouvait toujours servir. C'est vraiment son jour. On le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. Qui a réussi un hat-trick aujourd'hui. Sinema Kongol. Il faut qu'il marque ici. Incroyable, le gardien n'a rien pu faire. C'est tout simplement magnifique. Et vu sa position, il n'y a qu'avec le pied droit qu'il pouvait frapper. Il s'agit de sa deuxième réalisation aujourd'hui. Franchement, il est en pleine confiance, surtout devant le but. Centré. Du pied, dégagement sûr. Bon retournement de situation, il a le ballon. Luis García. Forlan. Agüero. Bien donné. Ils ne marqueront jamais s'ils ne visent pas le cadre. Pourquoi pas tirer? Personne ne l'attaque. En général, on ne t'attaque pas, tu peux avancer, mais là, c'était bien de frapper. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Il semblerait qu'ils aient décroché une place en quart de finale. Encore une occasion de centrer. C'est une frappe. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles. En général, quand on a des occasions comme ça, il vaut mieux les mettre au fond. Hein, parce qu'après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le contre, c'est l'arme fatale. C'est super dangereux, il peut marquer.
cinéma Pongol. Agüero. Sa pointe de vitesse est exceptionnelle. Et Forlan. Ballon renvoyé en arrière. Simao. Agüero. Encore une belle occasion. Bonne interception. On peut relancer. Ils peuvent construire quelque chose. Dégagement. Ils reprennent le ballon. 1 minute de temps additionnel. Va-t-il y avoir but ? Et ils obtiennent une touche dans le camp adverse. Encore une belle occasion. Non, c'est mal joué, c'est encore trop loin du but. C'est impossible de marquer de la lame d'être fermé. Agüero. Touche Valouzi. Bernia. C'est fini. L'arbitre a sifflé. C'est la fin de cette rencontre. C'est fait. C'est la qualif. La qualification pour le tour suivant, malgré la grosse pression qu'il y avait sur les épaules. Revenir et l'emporter après avoir été mené au score souligne la grande force collective de ce groupe.